Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déclutteur. Donc, il me semble que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de déclutteur. Je sais plus. Mais oui, il me semble que ça fait un petit moment. Et là, je me suis dit, il est grand temps parce que j'ai encore tous les produits, des calendriers d'avant, du swap et tout ça qui vont arriver. Donc ça va me faire encore du stock, il y a plein de produits que je n'utilise pas, donc il faut que je les trie. Et également, je voudrais réorganiser un peu mon make-up, voilà, pour tout mettre dans ma tour Alex, qui se trouve juste ici, que vous ne voyez absolument pas, mais qui est ici quand même. Et voilà, réorganiser un peu tout, mais ça sera une prochaine vidéo, qui sera après Noël. Donc entre Noël et Nouvel An, vous aurez la vidéo où je re-range un peu mes tiroirs, voilà. Donc, comme d'habitude, c'est un déclutteur. Les produits seront soit donnés à certaines personnes, soit jetés parce qu'ils sont trop vieux ou des choses comme ça, ou trop entamés. Et le reste sera mis en vente sur Vinted. Mais je ne sais absolument pas quand, puisque là, les fêtes, c'est de plus en plus proche. J'ai beaucoup de vidéos à tourner, monter, uploader, tout ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça sera mis en vente sur Vinted, mais vous avez le lien en barre d'infos. Si vous voulez aller me suivre, comme ça, vous aurez un avertissement quand je posterai les produits. Et voilà, et ça ne concerne pas mes palettes non plus, puisque les palettes, je vais les faire à part dans la vidéo collection de palettes et tri-palettes. Et voilà. Donc, j'ai parlé pendant 10 minutes pour rien, puisque j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Comme je vous disais, je vous tiens à la main, donc ça risque d'être un petit peu la tremblote. J'espère que vous n'aurez pas la nausée, n'est-ce pas? Je vous mets tout de suite la participation bonus pour le concours. Donc il faut me mettre ce petit emoji que je vais afficher quelque part, ce petit emoji cône en barre d'infos, liker la vidéo et participer au concours que je vous mets juste dans le petit i et que vous avez de toute façon en barre d'infos. Mais si vous n'avez pas participé au concours, le bonus ne compte pas. Donc je disais, ici c'est le tiroir à bordel, j'aimerais bien trier pour n'avoir que mon make-up dans ces rangements-là, puisque j'ai deux tiroirs, les deux tiroirs du dessous c'est que du bordel. Donc, je vais essayer de regrouper tout pour mettre ce qui est là, en fait. Parce que j'utilise, en fait, que ces produits-là. Je ne pense jamais à piocher dans mon tiroir. Donc, j'aimerais bien remettre tout dans mon tiroir. Et pour ne plus utiliser tout le temps que les mêmes produits. Pour vraiment bien tout utiliser, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Les produits iront soit... Enfin, il y en a que je vais jeter, il y en a que je vais donner. Et il y en a qui iront sur Vinted. Je sais que quand je fais un déclutteur, DJ m'a demandé la primeur des produits pour acheter pour elle ou pour Laura. Donc, elle aura la primeur, évidemment. Donc, je vais déjà retirer le high beam parce que j'avais saigné le petit format que j'avais eu une fois en cadeau. Et depuis que j'ai racheté le grand, je ne l'ai presque pas utilisé. Donc ça, j'enlève. J'avais déjà fait mon tri de pinceau. Je vais vous montrer après si j'oublie pas. Le petit blush Etude House, bon bah finalement je le vire parce que je ne l'ai pas réutilisé depuis le dernier déclutteur. J'avais dit que si c'était le cas, j'allais le jeter. La base Sephora, je garde. Les petites paillettes là, je garde quand même. Ça, je garde. Alors la petite plaquette ici, hop là. Ça, je vire, je l'utilise absolument jamais. Ça, je garde. Ça, je garde. Donc ça, c'est des produits du swap. Vous les avez vus en action il n'y a pas tellement longtemps. Donc je vous remets la vidéo dans le petit i. Mon highlighter chouchou, je garde. Mes petits blush tarts que j'adore, je garde. Les poudres, je garde. Donc ici, on garde. Alors, ici, il y a des palettes teint. Mes petits blush ELF, ça, je vais garder. Le duo, par contre, j'enlève. Voilà, puisque j'ai un dupe maintenant du orgasme de chez Sleek que j'ai eu dans le swap, donc je vais enlever celui-là. Celui-ci, je vais l'enlever aussi. Je ne l'utilise jamais. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir d'une main. Voilà. Donc ça, j'enlève. Ma palette BH Cosmetics, ça par contre, je garde. Parce que je l'aime beaucoup. Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'adore. Donc ça, je garde. Hop. Le petit fard mono ici, Golden Rose, que j'avais dans le swap, je ne l'ai jamais utilisé, en fait, juste dans le crash test. C'est pas mon kiff, donc hop, on va l'enlever. Ça, j'enlève aussi. Pareil, je l'ai eu dans le swap, mais comment?
des highlighters de couleur, j'ai ceux de Jeffree Star, donc forcément les essences j'utilise pas. Pareil pour le Focalure, voilà. Et le Marilou Manizer, j'enlève aussi, je l'utilise absolument plus. Ok. Alors, ici dans les blushs, celui-là je garde, j'aime beaucoup les essences je garde. Ah, peut-être pas celui-là, il est trop foncé pour moi, trop pétant. C'est quelle teinte? Ouais, celui-là je l'enlève, il est trop foncé pour moi, donc je n'utilise pas. Celui-là j'adore, le Sephora j'adore. Celui-là j'enlève. Voilà, je ne les utilise pas non plus. Et ça, je vais enlever aussi. Voilà, c'est tous des produits que je n'utilise absolument pas. Donc je garde en highlighter pour l'instant le Styla. Et tout ce qui est là, pour l'instant, je garde, mais il faudra juste que je range. Mais ça, ça sera une prochaine vidéo. Tiroir du dessous, donc c'est tous mes pigments, mes deux fards mono. Les deux seuls qui ont survécu que je peux absolument pas jeter. Donc tout ça, je garde en fait parce que je m'en sers pour faire des liners. Même si ça fait extrêmement longtemps que je m'en suis pas servi. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est un truc de fou. Ici, j'ai deux petits comme ça et des petites pochettes. Donc ça, je vais enlever quand même. Voilà. Je mettrai de temps en temps dans une vente vinted. En cadeau, mes fards crème, bizarrement, j'arrive pas à m'en séparer non plus. Donc ça, pour l'instant, on va toujours les garder aussi. Pareil, je m'en sers avec le mixing liquide. Donc ça, vous avez une vidéo aussi, je vous la remets là, pour faire du liner. Même si, pareil, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait. Et le dernier tiroir, c'est donc mes fossiles et mes paillettes. Et là, il n'y a pas grand-chose à retirer. Si, les... ceux-là, ceux des fossiles pour les cils du bas, là, j'arrive pas à les mettre. Donc, il reste 3 paires sur 5, mais je pense que je vais les donner à Laura pour ses make-up artistiques. Ah, et pareil pour ceux-là, tiens, je vais lui donner ceux-là, enfin, je les mettrai en vente, je sais pas encore. Quoique, non, je vais les garder quand même, parce que si je fais un jour un make-up artistique aussi... voilà, et tout le reste, c'est des strass et compagnie. Et ici, c'est les deux tiroirs à bordel qu'il faut que je... vide pour ranger dans la prochaine vidéo. Et vous voyez mes jolies chaussettes petit cœur pilou pilou. Là c'est les lots des concours d'un année. D'ailleurs il y a des produits que j'ai rajouté dedans, notamment les blushs, enfin le blush et l'highlighter crème de, que j'ai eu dans le swap dans le calendrier de l'avant, enfin que je vais avoir parce que je les ai pas encore ouverts de chez H&M parce que moi j'utilise pas, donc je préfère vous en mettre un. Et les petits vernis essence, mais ça je vous l'avais déjà dit. Alors ici, on a aussi du tri à faire. Les fossiles ici, je garde. Le savon pour les sourcils, Révolution, je vire, je ne le supporte pas. Tout ça, je garde. Ça, j'enlève. Pareil, j'utilise absolument pas non plus. Ça, je garde, c'est tous mes blushs préférés, donc forcément, je les garde. Je vais enlever le contouring de chez Essence, puisque je préfère le 4 pièces. Et le essence, je n'utilise pas du tout la poudre plus claire. Donc ça, je vais enlever. Les autres, je garde. Je les adore. Ici, au-dessus. Alors, je vais peut-être me lever. Ça sera plus simple. Il y a les crayons. Alors, attendez, je vais rapprocher mon téléphone pour le son. Dans les crayons, donc il y en a que je viens d'avoir dans le swap, que j'aime beaucoup. Là, j'ai les grands... de chez... Non, bon, en fait, je vais prendre le pot déjà pour commencer. Et... hop là, voilà. Ça, c'est une idée qu'elle était bonne. Hein. Donc, le color pop, je l'adore. C'est le seul que j'ai, donc ça, je le garde. Les Jumbo Sephora et Coressa, je garde parce que je m'en sers vraiment souvent. Celui-ci, c'est le doré. Non, le doré, je m'en sers pas en fait. Donc hop, je vire le doré. Les crayons Obsession, là j'adore. Pareil, obligé, je les garde. Les Urban Decay aussi, évidemment. Alors, mon Jumbo NYX, mes deux Jumbo NYX, je garde. Le rimmel en new, je garde. Ça, je garde. Mon stick de chez Kiko... oh, je veux dire, je n'utilise pas. Alors, encore une obsession. Donc, le jaune, le rose et le bleu.
Là, je vire de chez Essence. Pareil, je les donnerai à Laura. Ça, je vais pas les mettre en vente. Mais je les donnerai à Laura pour ses make-up artistiques. Ceux-là que j'ai eu dans le swap, je garde. Jumbo Sephora, je garde. Voilà. Alors, le taupe de chez Rimmel. Je n'utilise pas du tout non plus. Hop, on vire. Ça, c'est un de chez... Ah, celui-là, j'aime bien, de chez Révolution. Je ne dis jamais, mais je l'aime bien. Celui-là de chez NYX, je vire. Mais alors, le capuchon ne tient pas. Hein. Faudra juste que je le colle avant de l'envoyer. Et ceci, je me tâte parce que il faut que je vois avec les couleurs que j'ai ici et ici. Donc, le vert, je vais quand même le garder parce que c'est le seul crayon vert que j'ai. Voilà. Enfin, vert clair, puisque j'ai le vert foncé comme ça que j'aime beaucoup. Celui de chez Catrice en mauve lila, comme ça. Oh, j'utilise. Enfin, il faut que je le swatch. Donc, je fais les swatchs de ceux-là pour comparer et je reviens vous dire quoi. Donc, le Catrice, je garde pas parce que en fait, il est vraiment très clair et du coup, il fait un peu vraiment clair en muqueuse. J'aime pas. Et les deux-là, je garde. Vous en avez un de chaque côté, en fait. Au milieu, c'est l'Obsession et le Essence Bordeaux. Donc, j'ai pas les mêmes teintes, donc je garde. Voilà. Les crayons, c'est fait. Alors, pour les rouges à lèvres, ça, c'est une autre histoire. Donc, le coffret, là, je garde. J'ai mis dans le swap aussi. Il faut que j'utilise un peu plus. En raisin, là. Donc, maintenant, j'ai le rouge de chez Sephora. Donc, je vais virer le Catrice. Voilà. Les autres, je pense que je vais quand même garder. Je les aime beaucoup, même si je les utilise pas. Le Essence, je vais l'enlever, je l'utilise pas. Celui-là, je vais le jeter parce que je n'en peux plus. Il est presque au bout. Hein. Il me reste que quelques millimètres, mais je n'en peux plus non plus. Celui-là, je garde parce que pour faire des décos en rouge, je n'ai pas de liner rouge, donc je l'aime bien. Après, il faudra que je range tout ce que j'ai eu dans le swap. Ça, c'est un peu le fou. Donc ici, il n'y a rien à retirer non plus parce que je garde tout, j'adore. Ici, à chaque fois, je dois me balader avec le téléphone. Donc les trois là, je vire. Je ne les utilise absolument pas. Le gris, j'ai le Kibes que je préfère. Les deux là, il faut que je les reteste, mais je les aime pas trop. Et ceux-là, j'aime bien. Le High Diane, j'étais un peu déçue. Le Ciaté aussi, mais je vais quand même les retester parce que je les ai utilisés qu'une fois chacun. Et tout cela, c'est mes préférés en glitter. Je les adore, le NYX. Enfin, deux NYX. Et les essences, ils sont d'enfer. Donc, bien sûr, mes petits crayons focalure, ça, je garde. Et ici, je garde. Je garde absolument tout. Voilà. Ici, au-dessus. Alors, on a ce premier tiroir. Et là, je vire tout, le liner XX et les mascaras que je vais donner, les mascaras je vais donner à Laura. Ici, je garde, je garde, il y avait juste le focalure que je me demandais s'il ressemblait pas trop au sélénite. Il faut que je fasse un swatch, on fera ça après. Ici, par contre, je vire les High Diane parce qu'ils m'explosent totalement les yeux. Donc, je les vire. Je ne les supporte pas. Ils me brûlent. C'est un truc de fou. Voilà. Et ceux-là, bien sûr, je garde. Et ici, ben, je garde tout. C'est mes paillettes et mes pigments pommades et mes liner cakes. Donc, ça, on garde. Ah, et le mixing liquide de chez Révolution, j'enlève puisque maintenant, j'utilise le Meron. Donc voilà les swatchs des deux, vous n'allez pas bien voir, des deux liners. Donc au-dessus, vous avez le focalure et en dessous, le sélénite de Beauty Bay. Et c'est pas du tout la même chose. L'autre, il a plus de reflets, enfin le focalure a plus de reflets holographiques de base. Donc voilà. Donc je peux garder les deux, j'ai mon excuse fatale pour garder les deux. Ah, mais alors, il y a aussi les rouges à lèvres liquides que je n'ai pas fait. Donc, ça, c'est tous les pinceaux. Donc, je pense que je ferai un ou deux lots pour ne pas avoir tous les mêmes pinceaux. Il y a un peu de tout. Il y a du Manche, du Real Technique, du Beauty Bay, Jazz Up, Sigma. Enfin, voilà quoi.
Primark, il y a un peu de tout. C'est des pinceaux que j'utilise absolument pas. Et comme j'ai fait un carnage à chaque pinceau ces derniers temps. Alors, les rouges à lèvres liquides. Le Révolution, un de mes préférés, je garde. Les Catrice, mes préférés, je garde aussi. Les deux Sephora, dont le noir obligé, je garde. Le NYX ici, pareil, j'adore. Mon, un de mes préférés aussi, le Huda Beauty. C'est le Vixen. Je l'adore d'amour, celui-là. Et franchement, pour le prix que je l'ai racheté à Amy, je suis enchantée. Alors, j'ai plein de petits focalures comme ça. Non, j'en ai que deux. Dans ce format-là, ici, c'est... Ah, le NYX Lingerie. Je garde aussi, je l'aime aussi, celui-là. Je ne sais pas trop... Après, j'ai pas d'équivalent violet comme ça, mais en marron, j'en ai. Je vais garder le violet, je vais enlever le marron, parce que ça, j'en ai, il ressemble vraiment beaucoup aux poches Spice. Et je préfère utiliser le poche Spice de Jeffree Star que celui-là. Donc celui-là, j'enlève. Mais je garde le violet parce que je n'ai pas d'autre. Le Eye Diane, là... Bah, j'ai pas d'équivalent. Je vais le garder quand même. Mais je vais le ranger avec les autres, là. Donc, il me reste ici encore des focalures et des focalures que j'aime beaucoup. Après, ici, c'est les, à peu près les deux mêmes teintes. Il faut que je regarde. Alors celui-là, j'ai pas d'équivalent. Celui-là, je les aime beaucoup. Il faut que je trie. Et ceux-là, je garde parce que je les ai pas testés encore officiellement. Donc je vais garder encore cette fois-ci. Faudra que je pense à les tester. Alors ici, je vais swatcher quand même les deux là. Et celui-là pour voir s'il ressemble pas trop au Scorpio. Et là, s'il n'y a pas un équivalent du poche Spice. Et ceux-là, je les garde parce que j'ai pas de réel similaire. Voilà, donc je fais les swatchs de Jeffree Star et ceux-là, et je vous montre. Bon, du swatch. Alors ici, j'ai swatché le Scorpio avec celui-ci de Focalure, qui est le, je sais pas lire, le 15. Ils sont ici au-dessus, et ils se ressemblent pas du tout, en fait. Donc, je peux garder les deux, bonne excuse, voilà. Et ici, avec le poche Spice, non, là, je vous ai mis le... C'est pas du tout la même chose, ma chérie. Ici, avec le poche Spice, j'ai quand même re-swatché le grand de chez Focalure, là. J'aime pas du tout l'applicateur de ces produits, mais ils sont d'enfer. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Et au final, vous voyez que les quatre... Donc, le poche Spice de Jeffree Star est ici, et les autres, voilà. Donc, en fait, j'ai pas du tout les mêmes. Voilà. Peut-être un peu plus les deux du dessus, mais... Le Focalure est un peu plus orangé, marron-orangé, un peu plus chaud en fait. Donc, bah écoutez, je vais les garder tous. Voilà, ça m'arrange. Bah écoutez, voilà tout ce qu'on a retiré. Voilà, en dessous, il y a les pinceaux, tout ça. Il n'y a même plus de place. J'ai encore tout ça ici. Ça, je vais jeter. Parce qu'il est déjà bien entamé, l'autre est presque fini. Ça, je vais garder pour mettre dans les lots Vinted quand j'en vois. Et ça, je vais donner à Laura d'office. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que ce petit décloteur vous aura plu. Que ça vous plaît de voir un peu ce que j'enlève, ce que je n'utilise pas, en fait. Et ce qui sera potentiellement en vente sur Vinted. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne, sur cette vidéo, par le plus grand des hasards. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. C'est totalement gratuit, ça vous coûte absolument rien. Créer un compte, ça prend que quelques petites secondes. Et donc, on est content. Bref, donc, du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous.